nous apprend comment utiliser le masque mode et le masque continuous. Suite au mode, coiffure, beauté, c'est pas ici, désolé. Ici, c'est l'envers. Donc, pour le masque mode, Hawaii Scully, c'est pour le détruire du fait des événements passés et complètement fini. La formation se fait avec le verbe, vous plus des, vous mettez le verbe, vous ajoutez le bruit. Comme par exemple, play devient played. Didn't plus le verbe à infinitif. Par exemple, I didn't fall. Je ne sais pas quoi dire. La forme interrogative, c'est dit plus le sujet plus le verbe. Donc, par exemple, Did you have my sneakers? No. What? It's my sneakers. Sylvia fell. She danced. Le passé continuous. Il s'utilise pour des actions en cours dans le passé et pour planter les deux. La forme masculine se fait avec what's the singulier et where the pluriel plus le verbe plus imagé. La première question, c'est wasn't, weren't plus le verbe plus imagé. Donc, quelques exemples. I was drinking et I wasn't drinking. Voilà. La forme interrogative, c'est was, were, sur le singulier, plus, plus le sujet, plus le verbe. Par exemple, were you jumping? Where is Louis? Louis was hiding in the closet. I was walking when I met Louis. C'est la fin de notre tutoriel. Nous espérons vous avoir aidé et merci pour votre visionnage. Mais avant de vous dire au revoir, voici un petit bêtisier. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal de TF1. Ce soir, le fait des événements passés est complètement fini. La formation pour la négation. C'est didn't plus le verbe à l'infinitif. Did you have my post-it? Yes! How? Voleuse! Voilà comment on utilise le past simple. Did you have my basket? No. Et avouez-le, on est des top biches en anglais, hein? Meilleur que Madame Vicato. Goodbye!